Excuse-moi, je suis en retard. T'es jamais à l'heure. Ouais, je suis en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Qui s'occupe du développement de l'édition numérique. Ah oui. Oui, qui est brillant, qui sort d'HEC, qui cultive un style de prédatrice sexuelle, je connais. Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes. Jusqu'où? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va? Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc... Non, je te publierai pas, non. Je pensais que t'avais compris. On va en faire un audio-livre. Je pensais solliciter Catherine Deneuve. Il paraît qu'elle est très sympa. Au final... non, je touche du bois. Tu sais, c'est comme Thomas Bernard qui publie Extinction et qui meurt. La question, c'est de savoir si les romanciers ont le droit de s'inspirer de personnes existantes. J'ai lu ton livre. Si on le connaît, on n'a pas trop de mal à l'identifier. Non, mais écoute, toute fiction est un peu autobiographique, je pense. Moi, je n'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne? Traite comme un objet. Ouais, c'est peut-être ça qui lui plaît. T'es sûr qu'Alain n'a pas lu entre les lignes? Je crois que c'est quelque chose. Je crois que c'est une façon de se venger. Tu me trompes, Léonard. Bah, pourquoi tu dis ça? Dans un couple, le désir, c'est pas le début et la fin de tout. Je préfère vivre dans l'hypocrisie. Bah, c'est pas de l'hypocrisie, on est mariés depuis 20 ans. T'envisages pas juste comme ça hein, de faire un audiobook avec point final. On l'a proposé à Juliette Binoche. Ah oui, Juliette Binoche. Ouais. Je peux lui écrire un mot peut-être. Enfin, si tu. Hein? Si tu as son mail.